Donc si jamais je fais un cinquième épisode et non pas un montage suite à l'interruption inattendue du live, eh bien, bienvenue, cinquième épisode de cet Assassin's Creed et fin d'Assassin's Creed, premier du nom, puisque là on est vraiment à la fin, hein, j'ai été interrompu, c'était pas voulu. Et on est toujours sur la version Director's Cut sur PC, on a toujours pour projet de tous les faire. C'est bien parti, puisqu'on va en avoir fait 1 sur 15. Dans les mois qui viennent, on va continuer tout ça. La semaine prochaine, sans doute on fera Assassin's Creed 2, du coup, enfin on commencera. Hop, puisque bien sûr je continue aussi de faire tout le reste. On fait pas que du Assassin's Creed pendant 3 mois. Donc voyons voir d'où ça reprend, parce que je venais de tuer Robert de Sablé. J'étais en pleine cinématique de Robert de Sablé. Et mon chéri a fait un truc qui a fait disjoncter. Du coup, bon, bah voilà. Let's go. Voyons voir d'où ça reprend. Pour éviter le combat, lancez-vous dans une course libre. Sans doute du fight contre Robert. Hein. Ah non! Ça reprend. Ah bah ça reprend bien! Oh, mais du coup, je pense que je peux vraiment faire un cinquième épisode, c'est parfait! Cool! Parce que je pourrais faire la coupure au moment où on arrive dans cette zone. Donc il n'y a pas de souci. Bon, on va se refaire toutes les bagarres, mais. Mais au moins, c'est tout bon. Il n'y a plus qu'à rebagarrer, du coup. Écoutez. Hop. Bon, là, on n'est pas chaud. On était chaud hier. On avait eu un petit peu de difficulté sur la cible précédente, d'ailleurs. Du coup, hier, ça s'était très bien passé, cette zone-là. Oh là. Ça n'a pas bien fonctionné, hein? Parfait. Direct dans le vif du sujet, là. Parfait. Allez, descend. Faut que je reprenne le coup de faire les prises correctement. Des contre-prises. Du coup, c'est pas plus mal qu'on ait eu cette coupure d'électricité, puisque du coup, ça fera que la fin sera bien séparée pour ceux qui veulent avoir le fin mot de l'histoire, la jonction. Toujours malade, hein, je l'ai pas redit, mais ça s'entend. Hop, voilà. Ça, c'est bien. Non, là, cette séquence est si, hein. Nice. Une bien belle bagarre. Kime boyun eğmek istiyorsun?
Du coup, Assassin's Creed 2, ce sera en 2022. Puisqu'on est le 28, là, décembre. 28, 29? On est le 29, je crois. J'ai bien bien hâte, ce sera la semaine, du coup, la première semaine de janvier qu'on se fera un petit enchaînement de deux jours sur Assassin's Creed. Caméra de qualité. Ah, c'est pas mal, hein, comme mon idée là, de faire deux jours par semaine, je trouve ça pas mal. Bon, même si j'imagine qu'il y a des jeux où je vais... Ceux qui durent plus longtemps, je vais sans doute faire des créneaux de 3 jours. Histoire d'être dans la continuité. Oula, petite esquive, j'ai jamais fait l'esquive in tout à fait. C'est pas mal du tout. Faut que je réessaye. Ah, j'ai raté. Bah dis donc, laissez-moi tranquille. Nice! Quelle aventure! Ah, c'est un mauvais sens, ça. Allez, on passe dans l'autre camp. Ils m'ont mis au sol. C'est quand même un des PNJ qui a osé dire il se croit plus fort que nous. Comment te dire? Je viens d'en prendre 20 d'entre vous là. Donc ouais, ouais, un peu ouais. Et on en revient à l'endroit où on était du coup. Enfin, on avait fini le fight, mais... Pas un pas de Attendez, plus. Je suis porteur d'un message et non d'une épée. Tu viens négocier les termes de votre reddition, enfin! Vous faites erreur. C'est Al-Mualim qui m'envoie, et non Salah Adin. Un assassin? Eh bien, qu'as-tu à dire? Ne perds pas de temps! Vous avez un traître dans vos rangs. Et il t'a engagé pour me tuer? Ainsi tu jubiles avant même d'avoir agi. Il ne sera pas si aisé de m'abattre. Je ne suis pas là pour vous tuer, vous.
mais lui. Parle. Je serai seul juge de la vérité. Qui est ce traître? Robert de Sablé. Mon lieutenant. Il entend vous trahir. Il clame pourtant qu'il veut se venger de votre peuple pour les ravages que vous avez causés dans la ville d'Acre. Et je serais plutôt enclin à l'aider, car vous avez massacré certains de mes meilleurs hommes. C'est moi qui les ai tués, mais à chaque fois pour une bonne raison. Guillaume de Montferrat voulait s'appuyer sur son armée pour s'emparer d'Acre. Garnier de Naplouse entendait profiter de son savoir pour endoctriner et contrôler quiconque lui résistait. Sibrand comptait bloquer le port pour empêcher votre royaume d'apporter son aide. Tous vous ont trahi, et sur les ordres de Robert de Sablé. Tu penses que je vais croire ces balivernes? Vous connaissiez ces hommes, mieux que moi. Êtes-vous franchement surpris d'apprendre leurs viles intentions? Dit-il vrai? Sire, nous avons un assassin devant nous. Un homme passé maître dans l'art de la manipulation. Il vous ment, c'est évident. Je n'ai aucune raison de mentir. Oh, bien au contraire. Tu es résolu à protéger ta petite forteresse à tout prix. Elle ne résisterait pas aux assauts conjoints des Sarrasins et des Croisés. J'agis pour le bien des habitants de la Terre Sainte. Si je dois me sacrifier pour qu'ils vivent en paix, je le ferai. N'est-il pas étrange d'entendre chacun de vous s'accuser mutuellement? Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il me faut rencontrer Saladin pour obtenir son aide. Plus nous attendrons, plus ce sera difficile. Robert, attendez un instant. Pourquoi? Pourquoi me retenir? Cet homme n'a tout de même pas crédit auprès de vous. La question est difficile. Je ne peux en décider seul. Il me faut l'avis de quelqu'un de plus sage que moi. Merci. Non, Robert, il ne s'agit pas de vous. De qui, alors? Du Seigneur. Cette affaire se réglera par un combat. Dieu sera du côté de celui dont il juge la bagarre juste. Salut, Villepayotte. Si tel est votre souhait... Oui. Soit. Prépare-toi, assassin. Et tout à fait, Mazidra, j'espère que toi aussi. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Puisque tu y tiens, je vais t'acheter. Le Seigneur est puissant. Bah alors, j'arrive plus à faire mes comptes. Pourquoi j'arrive plus à contrer? Tu veux mourir? Je vais t'en ranger la tête. C'est parce que c'était le gros. Ouais, je pense que c'est parce que c'était le gros. Ma colère sera terrible. Je vais t'égripper. Tu vas mourir. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Ton âme est impure. Tu t'échapperas pas. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Je te tiens. C'est trop facile. Tu vas mourir. Tu me fais perdre mon temps. Tu n'es pas à la hauteur. Tu me fais perdre mon temps. Ouh, elle est pas mal à ta droite. Alors là, j'ai quand même mis 3 coups d'épée à terre. J'ai plus qu'un PV. On avait réussi direct quand on a l'électricité en moins. Non. Ah là là. On avait first try. Et là on first try pas. Terrible. Seuls les viewers du live le sauront. On avait first try. Non, mais ça c'est que c'était pas propre. On prend le jeu, donc on fasse des choses propres. On va vraiment réussir les comptes là.
Merci. Tu me fais perdre mon temps. Ok, beaucoup mieux. Ah bah alors là, ce sera raté. C'est sûr qu'on vise pas la cheville au sol. Voilà, très bien. On en était là donc. C'en est fini de toi et tes machinations. Tout cela te dépasse. Tu n'es qu'une marionnette. Il t'a trahi, mon garçon. Tout comme il m'a trahi. Sois plus clair, Templier. Ou tais-toi. Il t'a ordonné de tuer 9 hommes, c'est cela ? Ceux qui gardaient le secret du trésor. Et alors ? Le trésor n'a pas été découvert par 9 personnes. Pas 9, mais 10. 10 ? Ceux qui connaissent le secret doivent mourir. Donne-moi son nom. Un homme de ta connaissance. Il ne fait aucun doute que tu seras plus réticent à prendre sa vie que la mienne. Qui ? Il s'agit de ton maître, Al-Mualim. Mais il n'est pas Templier. D'après toi, d'où tient-il ces informations ? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons, où nous trouver, combien nous sommes. Il est le maître des assassins. Oui, et un fiefé menteur. Toi et moi ne sommes que deux pions dans son jeu. Mais après ma mort, tu seras tout seul. Penses-tu qu'il te laissera vivre, maintenant que tu sais ? Je ne m'intéresse pas au trésor. Ah, mais lui, si. La différence entre ton maître et moi, c'est que lui n'est pas disposé à partager. Non. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Que moi, ton plus grand ennemi, je t'ai évité le pire. Mais maintenant, tu vas prendre ma vie, et par la même occasion, mettre fin à la tienne. Voilà le gros reveal de l'histoire. Assassin's Creed, premier du nom. Assassin. Dieu est avec toi aujourd'hui. Dieu n'y est pour rien. Je manie mieux l'épée, voilà tout. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que lui croit en toi. J'ai une question à te poser, avant ton départ. Très bien, je vous écoute. Pourquoi ? Pourquoi venir jusqu'ici et risquer ta vie des milliers de fois ? Tout cela pour tuer un seul homme. Il menaçait mes frères et ce que nous représentons. Alors, tu cherches la vengeance ? Non, pas la vengeance. La justice. Je veux la paix. La paix ? C'est pour cela que tu te bats ? N'y a-t-il pas là une contradiction ? Certains hommes n'entendent jamais raison. Se fout de Saladin et de ceux-là. Je pense qu'ils souhaitent mettre un terme à cette guerre, tout autant que vous. Alors, les apparences sont trompeuses. Le peuple n'aspire qu'à la paix. Dans le camp des Sarrasins, comme dans celui des Croisés. Et le peuple ne sachant pas ce qu'il veut, il se tourne vers des hommes comme vous. C'est donc à vous qu'il incombe de faire ce qui est juste. C'est absurde.
Notre venue dans ce monde se fait dans les cris et les pleurs. Violents et instables, voilà ce que nous sommes. Cela ne peut changer. Non, nous sommes ce que nous choisissons d'être. Toujours prêt. Toujours prêt à jouer avec les mots. Je dis vrai. Inutile de soupçonner une quelconque ruse. Nous le saurons suffisamment tôt. Mais la paix n'est pas pour aujourd'hui. En ce moment même, ce barbare de Saladin tente d'anéantir mon armée. Certes, il a pris conscience de sa vulnérabilité. Peut-être verra-t-il les choses différemment à l'avenir. Qui sait, avec le temps, la paix que tu souhaites pourrait devenir réalité. N'oubliez pas que vous n'êtes pas plus en sécurité que lui. Les hommes censés régner à votre place n'ont pas l'intention de vous servir plus longtemps que nécessaire. Oui, oui, j'en suis conscient. Je dois vous laisser. Je vais aller m'entretenir avec mon maître. Il semblerait qu'il a lui aussi des choses à se reprocher. Oui, mais ce n'est qu'un homme. Comme toi et moi. Que la paix et la sérénité soient avec vous. Salut Torrent Freeman. Salut, salut. Oh là là, on a fait 100% de tout. Toutes les séquences sont 100%. J'ai dit debout, bon sang. Bon, ça va, hein. Écoutez. On dirait que vos amis assassins nous ont trouvés. Quoi? Comment avez-vous fait, Desmond? Une minute, je sais pas ce que vous insinuez, et je sais pas ce qui se passe ici, mais j'y suis pour rien. C'est vous qu'ils viennent chercher. Et ce n'est pas moi qui les ai invités. Et comment est-ce que ça se présente? On se fait tirer dessus. Vous maîtrisez la situation? Ce serait une bonne idée, quand même. Les prisonniers? Ils sont 5, peut-être 6. On les a encerclés. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Tout sera bientôt sous contrôle. Bon sang, Desmond. Comme si on avait besoin de ça en ce moment. Je vous dis que j'y suis pour rien. Comment je les aurais contactés? Par télépathie? Vous délirez complètement. Peu importe. De toute façon, ils seront bientôt morts. Tenez, écoutez. Papa. La menace est neutralisée. On dirait que la cavalerie ne sera pas au rendez-vous. N'empêche qu'il y a une minute, vous étiez mort de trouille. Votre petit complexe n'a pas l'air aussi sûr que vous le disiez. Et s'il revenait avec des renforts? J'en doute, Desmond. Ce que Lucie essaie de vous dire, c'est qu'il ne reste plus aucun assassin pour se ruer à votre secours. Ces derniers mois, nous avons été très occupés à vous traquer. Que ce soit dans le désert ou ailleurs, vous voilà livrés à vous-même. Reposez-vous. Demain, tout sera enfin terminé. Salut Gandalf. Du coup, oui, écoute. Thorin, moi j'ai envie de dire fonce, hein. Tu sais, moi j'ai pas le temps de tous les refaire et je vais tous les refaire. Si ça c'est pas un signe. Debout. Il est encore tôt, dites donc. Je veux qu'on en finisse aussi vite que possible. Si vous le dites. Ne faites pas cette tête, monsieur Miles. Ce jour s'annonce historique. Il marquera nos mémoires pour les années à venir. Du moins, pour certains d'entre nous. C'est vrai? Je pense que c'est une question d'approche sur Valhalla, justement. De bien suivre les arcs d'histoire, tu vois. Et de pas trop s'éparpiller sur tout ce qu'il y a dans l'open world. Moi, au début, j'ai joué comme d'habitude, en mode 100%, tout ça. Et au final, les dernières fois, j'ai joué en faisant vraiment un gros focus sur l'histoire. Puis ensuite, un peu d'annexes, tu vois, mais en restant vraiment toujours dans l'histoire. Donc je faisais les annexes qui étaient à côté. Et c'était beaucoup plus prenant, normal, quoi. Mais du coup, faut soi-même s'imposer une certaine rigueur là-dessus. À mon sens. En tout cas, c'est comme ça que je vais les faire. C'est aussi un des objectifs, là, quand je les refais, c'est d'être bien focus sur l'histoire. Ce qui m'empêchera pas de faire ce qu'il y a à côté, hein, mais... Allez, mais sinon, tu te retrouves à... Ouais, à t'éparpiller, quoi, et à perdre le fil. Si vous vous faites remarquer, tuez quelques-uns.
S'est-il passé ici? Où sont-ils tous? Partis rejoindre le maître. Les Templiers, ils ont encore attaqué? Ils arpentent le chemin. C'est la fin, les gens. Quel chemin? Qu'est-ce que tu racontes? Le chemin vers la lumière. Sois plus clair. C'est le chemin que le maître nous a indiqué. Celui de la vérité. Tu as perdu la raison. Vous aussi devez suivre le chemin, ou vous mourrez. C'est la volonté du maître. C'est Al-Mualim, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Gloire à notre maître, c'est lui qui nous guide vers la lumière. Faut le level pour avancer l'histoire. Ouah, ça va quand même. Normalement, c'est plutôt correct. Oh, Mualim, guide-nous, commande-nous. Mais ouais, en vrai, c'est pas très bloquant, hein, je pense, Torrent, de ce que j'ai pu voir. Tu vois, par exemple, le siège de Paris, il fallait être 180 de puissance, moi j'étais 80. Et en vrai, à part le fight final, qui était assez infaisable du coup à mon niveau, tout le reste, ça posait pas de soucis. Et c'est parce que, justement, il me manquait beaucoup d'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire te fait bien, hop, hein. Pourquoi je vais là? Je sais pas. Je raconte ma vie et voilà. À la volonté du maître. C'est la fin, Jean. Ah! Let's go. C'est moi tranquille. Ouais, bah décidément tout le monde en a après mon col. Ah, je l'ai pas buté l'autre. J'aurais dû taper une deuxième fois. Mais après ça dépend, tu vois, comme je disais, moi du coup mes dernières sessions je faisais les points d'intérêt mais par groupe, pas par région pour forcément faire région à 100%, sachant que de toute façon tu peux toujours revenir, donc je faisais en suivant l'histoire. J'essayais de rester raisonnable sur l'équilibre histoire annexe quoi, et franchement c'était vraiment bien. Je crois que tu tombes à point nommé. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dirait. Tu dois te méfier, mon ami. Al-Mualim nous a tous trahis. Oui. Comme il a trahi ses alliés templiers. Tu étais au courant? Je suis retourné sur les ruines du temple de Salomon. J'ai trouvé un journal dans lequel Robert consignait toutes sortes de révélations. Ce que j'ai lu m'a brisé le cœur. Mais cela m'a aussi ouvert les yeux. Tu avais raison, Altaïr. Notre maître nous a manipulés. En croyant délivrer la Terre Sainte, nous la lui avons livrée. Il faut l'arrêter. Sois prudent, Malik. S'il en a l'occasion, il nous éliminera comme les autres. Ne t'approche surtout pas de lui. Qu'est-ce que tu suggères? Malik, c'est vraiment un bon. Mon bras est toujours vaillant, et mes hommes me suivront. Ce serait une erreur de ne pas compter avec nous. Alors tentons une diversion. Lance une offensive contre la forteresse. Si tu attires l'attention des esclaves, je pourrais affronter Al-Mualim. Je ferai selon ta volonté. Nos adversaires, ils sont manipulés. Épargne-les si tu le peux. Bien. Mes hommes et moi sommes restés fidèles au credo. Nous n'agirons pas comme le maître. Je ferai de mon mieux. C'est ma seule condition.
Paix et sérénité, mon ami. C'est à ton courage que nous devrons notre salut. Ouais, c'est ça, Tredon. Et bah écoute, toi, hein, si tu refais une game, j'espère que du coup... ce sera une meilleure approche. Et nos conseils t'aideront à plus profiter du jeu. Tous ces innocents. Je dois prendre garde de n'en blesser aucun. Ils ont fermé la porte. Le finish, le finish. Oh, mon disciple est de retour. Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr. Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Venez! Tuez le traître! Il n'a pas sa place en ce monde! Pour ceux qui l'auraient pas capté, c'est tous les gens qu'on a butés, hein. Oh là là, bah j'avais plus de vie, bah je suis mort. Non, non, ça me remet à full. Oh putain. C'est bon. Ah ouais, ouais, j'avais plus de vie. Affrontez-moi. Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts. Par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. Bah allez, hein. Non, sinon, ouais. Avant de mourir, vous m'avez menti. Vous condamniez de Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, maître, pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est.
Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir. Et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier, quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. De l'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'orbe d'Éden. La parole de Dieu. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin. Eris qui provoque la guerre de Troie. Rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté. Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre. Une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne, pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Tu es aveugle, Altaïr. Tu l'as toujours été. Tu le resteras à jamais. Ça va, ça. Ah, mais bête. Où est-ce que tu es, Brandon? Il part sur Boss Pipi. C'est ça. Trop fort. Vous êtes épileptique, je suis désolée. Hein. Ah, mais c'est parce que je me disais qu'il fallait descendre, mais c'est parce qu'on n'était pas au bon endroit. On était déchire le voile dans l'obscurité. Alors finalement, je me souvenais. J'étais en mode, je me souviens pas, il y a un autre truc à faire. Merci beaucoup, Nelink. Qu'est-ce que c'est de cette phrase? Je peux vous abonner gratuitement. Abonnez-vous. Effectivement, abonnez-vous pour que le boss apparaisse. Ah bah c'est le principe d'un live de pause midi. Effectivement. Normalement c'est pile quand tu vas manger. Du coup c'était bon, Anna. C'était l'objectif. Et l'idée c'est que les gens puissent regarder pendant.
leur pause repas. La petite fin d'Assassin's Creed. Attends, je l'ai raté. Ah, mais il est là! Depuis tout ce temps, il me suit. Je me disais bien qu'il y avait un truc derrière moi. Ah, très gentil. Bon, je vais la rouler. Ça marche aussi, hein. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix. Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Aussi tu le peux, Altaïr. Mais le veux-tu? Enfin, on la tient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien? Nous avons la carte. Combien? 6, peut-être plus. Pas besoin de tous. C'est nous devons prévoir une marge d'erreur. Je ne peux pas croire que tous seront en état de marche. Et au moins 2 se trouvent sur des continents aujourd'hui immergés. Nous allons envoyer une équipe sur chaque site pour vérifier. Un seul nous suffira amplement. Et les autres? Nous les récupérerons, ne prenons pas de risques inutiles. S'il reste un seul survivant, il pourrait venir troubler la tranquillité de notre nouvel ordre. Et l'assassin? Il ne nous sert plus à rien. Tuez-le. Attendez. Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Je doute que ce soit aussi facile. Expliquez-vous. Nous avons encore besoin de lui, de ses souvenirs. On devrait le garder en vie tant que nous n'avons pas fini d'explorer tous les sites. Qui sait ce qui nous attend là-bas? On perd notre temps. Vous l'avez dit vous-même. Nous ne devons pas prendre de risques inutiles. Très bien. Mais quand nous n'aurons plus besoin de lui, tuez-le. Bien. Arrêtez de saper mon autorité. Je viens de vous sauver la mise. Received. Ne traînons pas. Right, nous avons beaucoup à faire. Merci beaucoup, Hunter. N'allez pas croire que vous êtes tiré d'affaire, Monsieur Miles. Nous reviendrons bientôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'en ai aussi dans ma chambre.
Des écritures sympathiques. Ça alors? C'est... c'est du sang? Qui était enfermé avant moi là-dedans? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je me demande ce que ça signifie. Et voilà, nous avons fini Assassin's Creed. Aujourd'hui, aucune coupure d'électricité ne viendra nous interrompre. C'était bien. C'était bien, bien, bien. À suivre du coup le 2, comme je vous disais, la semaine prochaine normalement. Je pense le week-end prochain. À voir. Ça nous mène à quelle date le week-end prochain? Je vais vous dire ça. Ça nous mène à... le 8 janvier. Donc il y a moyen que ce soit le 8 janvier qu'on fasse la suite. De toute façon, je laisse toujours défiler le générique en entier. Don't worry. Pourquoi, Anna? On va faire comme là. Simplement. Oh, mais ça c'est trois différents pour moi. Deux, Brotherhood, Révélation, c'est trois différents. Dans ma liste de 15. Tu vois? Du coup ça se fout deux qu'on lancera. Non mais... c'est Assassin's Creed 2. Et d'ailleurs, Assassin's Creed 2 est annoncé avec une durée de vie équivalente à celle-ci. Donc on a mis une vingtaine d'heures, hein, comme ils avaient dit pour les gens qui faisaient 100%. C'est ce qu'on a mis, c'était 15 heures en faisant pas le 100%, 20 heures en faisant le 100%. On a mis 20 heures. Donc je pense qu'on mettra aussi 20 heures pour le 2. Du coup, sans doute encore un petit 4 sessions. Et du coup, ouais, ce sera Brotherhood après Assassin's Creed 2, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, on n'y est pas encore. C'est les gars. On peut cocher 1 sur 15. On a fait 1 sur 15. On est quasi à 7%. Un générique tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on va avoir sur les sur les plus récents. Je regarde s'il y en a là. Ah bah là j'ai pas le droit de regarder.
peux lire ce qu'il y a là. Je peux pas lire. Tada! Je veux juste voir. Ah, j'avais raté ça. T'as pas aimé Origins ? Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je préfère Origins à Odyssey. Mais en même temps, dans Odyssey, je me suis aussi perdue dans les annexes. Surtout, je déteste qu'il y avait des quêtes, tu peux les refaire. Moi, je déteste ça, j'aime bien pouvoir... Clac, clac, ça c'est fait. On sera là bientôt, ça fait les lettres. Non? Les lettres, je crois, ça fait on sera là bientôt. Salut Julio. Marrant. Je vais screen. Hop. Oups. Chaque fois je quitte avant qu'il rentre le mot de passe. Je cherche. Ah, il y a un autre ordi là.
Let's go. Ah, je suis assez déçu. On va pas se mentir. Je dois y aller, les gens. Ah! Vite! Je vois ce que je dois faire d'autre. Voir là-bas. Il y a l'autre qui laisse normalement sa clé au parking. Il y a un autre truc à faire. Je sais pas. Les gens? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Oh là là, j'aurais jamais dû aller là. Au secours. Ok, c'est bon. C'est pas gagné. On va finir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, terminé, chargeant. J'ai déjà fait Vision d'Aigle, ça là, Quotidia, oh là là. Amazing. Ah, mais il peut se remettre! Wait. Ok, c'est tout. Mais ça, on l'a à fond déjà, donc. Bah, je pense que c'est bon, hein, les gens! Au final, on a tout fait. Et on peut juste refaire ce qu'on n'aurait pas fini, quoi. Oh, il y a ça, mais... C'est les trucs des drapeaux. Donc bon, les drapeaux, voilà. Donc voilà. Ah, par contre, j'ai fait B. Attendez, parce qu'il faut qu'on quitte, quand même. Oui, c'est bon, c'est fini. C'est si on n'avait pas tout... Hop. Et bien voilà, c'en est fini, les gens. De toutes ces aventures... J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous disais, du coup, en théorie, 8 janvier. Je vous dirai ça sur les réseaux, bien entendu, hein, pour vous donner l'info exacte. Mais on sera sur Assassin's Creed 2. Je pense 8 janvier, fin de matinée ou début d'après-midi. Voilà. Donc si vous passez dans l'après-midi 8 janvier, normalement, sur le live, ce sera là. Et puis d'ici là, bah, je vais mettre en ligne le rediff de tout ça. Et pour le reste de nos aventures, pour ceux qui sont sur le live, live du 1er janvier, hein, le 31, du coup, au soir. On a aussi Sherlock à finir, et quelques autres trucs. Voilà, c'était nice.